Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration. Donc aujourd'hui, on va faire cette jolie fleur, ce joli petit, cette jolie petite fleur en papier que l'on peut suspendre. Voilà. Donc bien sûr, bon, il y a plein de possibilités, hein. Donc déjà, au niveau des couleurs, vous avez tout le choix que vous voulez, hein, mais là, voilà, ça c'est des exemples de couleurs. Donc on a, on a des fins, donc 34 cm de long pour à droite, hein, et ils sont un peu plus grands du coup à gauche. Tube de colle, et puis une petite pique de bois comme ça. Donc je commence avec ce ruban de papier. Hop. Et on le plie en deux. Voilà. Là, il faut être très... Il faut faire attention, hein, parce que... Il faut couper ça, tout ça. Mais enfin, faut le couper. Et... Voilà. Voilà. Voilà, donc là on a tout enroulé complètement. Donc maintenant on prend l'autre bande de papier. Là. Voilà, donc là du coup ça nous fait un beau rond. Voilà, donc ça fera le cœur de notre fleur. Donc maintenant on prend les autres bandes. Là. Ok. Ok, donc là j'ai enroulé. Voilà, tous mes morceaux de papier. Voilà, donc j'essaie d'attraper un peu le bout du papier comme ça. Je prends ma colle. Et on continue comme ça. Hein. Voilà, donc on continue.
Ok. Voilà. Donc après, bon, on répète à chaque fois ce petit, ce principe, enfin, cette tâche. Voilà. Et après. Ok. Donc bien sûr, après, il faut bien laisser sécher tout ça. Et puis après, ben, vous pouvez suspendre le tout et c'est bon. Voilà, vous avez quand même voilà, un petit résultat. Donc après, bon, vous pouvez commencer, continuer à en tirer un peu plus quelques zones, sur quelques zones, voilà. Et ma fleur est terminée. Donc là, bon, bah, j'ai pris un fil avec une aiguille. Je pense que ça sera plus pratique, plus facile à manipuler. Et puis voilà, donc du coup, j'ai le fil et je peux la suspendre. Voilà, ça c'est parfait. Donc je trouve que c'est vraiment cool, c'est devenu quelque chose de sympa, hein. Donc il y a vraiment plein de possibilités et ça c'est cool. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, à regarder toutes nos autres vidéos, enfin nos autres, ou au moins quelques-unes d'entre elles, et puis je vous dis à une prochaine. Salut!